Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de conjugaison. Je vous présente le présent des verbes aller et faire comme révision. Et on va commencer par la conjugaison. Le verbe aller conjugué au présent. Je vais, tu vas, il va. Elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Maintenant, le verbe faire, conjugué au présent. Je fais, tu fais, il fait. Elle fait, on fait. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Le verbe aller au présent. Le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous entraîner plusieurs fois à conjuguer les deux verbes sur un bout de papier. Chaque jour. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, elles vont. Voilà. Le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Comme ça, vous allez être meilleur en français, surtout à conjuguer. Dans cette vidéo, je vous explique uniquement les questions. Et la prochaine vidéo sera donc la réponse. Alors ici, il manque la dernière lettre. La dernière lettre. Soit T, soit S. Associez chaque verbe à la lettre qui convient. Vous avez ici deux lettres, T et S. Vous allez mettre ici. Hein? D'accord. Choisis le sujet qui convient dans la liste. Les pronoms personnels de sujet. Il y en a deux, pas, il y en a deux. Singulier, pluriel. Par exemple, je, tu, il, elle, et on. Et nous, il, vous, il avec S et elle avec S. Par exemple, on a ici je, elle, nous, vous, elle. Ce sont des pronoms personnels sujet. Alors, choisis le sujet qui convient dans la liste. On a ici le verbe faire. Fait, allons, le verbe aller. Vont, c'est le verbe aller aussi. Faites, c'est le verbe faire. Et va, c'est le verbe aller. Mais il manque leur sujet. Alors, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez mettre ici le sujet qui convient. Essayez de réfléchir avant la prochaine vidéo. Complétez les phrases en conjuguant le verbe aller au présent. Mais avant de faire cet exercice, il vaut mieux vous entraîner comme d'habitude à chaque fois ici. Alors ici, vous allez conjuguer le verbe aller au présent selon le sujet. Vous, le troupeau, c'est un nom. On peut remplacer par quel pronom personnel? Oui. Par quel pronom personnel sujet? Oui, je peux remplacer par il. Tes parents, on peut remplacer par il avec s. Voilà. Complète les phrases en conjuguant le verbe faire au présent, c'est la même chose. Et complète les phrases en conjuguant le verbe aller au faire au présent. Cela, ça dépend bien sûr le sens de la phrase. Mon frère, les courses. Mon frère va les courses. Ou mon frère fait les courses. Bien sûr, c'est le verbe faire. C'est la même chose pour les autres. Bon, cette vidéo, c'est une sorte d'explication des questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement répondre aux questions oralement. Essayez de réfléchir. Voilà.
Essayez de d'arrêter la vidéo à chaque exercice, par exemple exercice 1, arrêtez la vidéo ici. Essayez de recopier sur un bout de papier ou oralement. Et mettez une pause ici, deuxième exercice. Essayez de répondre oralement, oralement, seulement oralement. Ce n'est pas la peine de tout réécrire. Alors, essayez de répondre oralement à cet exercice. Voilà, vous avez bien répondu. Maintenant, 3 et 4. Mettez une pause ici. Et pour conjuguer le verbe aller et aussi pour conjuguer le verbe faire. Mettez une pause. Voilà. Répondre oralement. Ce n'est pas la peine de tout réécrire pour ne pas vous fatiguer, d'accord? Oralement, juste. Voilà. Et complétez les phrases en conjuguant le verbe aller ou faire. Mettez une pause ici. Voilà. Essayez de répondre oralement à cet exercice. Voilà. Vous avez bien travaillé, mes chers élèves. Alors, on s'arrête ici. La prochaine vidéo sera donc la correction. Vous allez tout simplement remarquer vos fautes. Vous allez tout simplement essayer de corriger, de les corriger. Et ainsi de suite, vous allez tout simplement maîtriser ce qu'on appelle la conjugaison. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est vraiment facile. Mais il faut simplement tout travailler à chaque fois, d'accord? Alors, le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, le faisant, attention à la prononciation visible, vous faites, elle font, elle font. Ce sont deux verbes irréguliers, c'est-à-dire appartiennent au troisième groupe. D'accord? Voilà, c'est tout pour le moment, à très bientôt. La prochaine vidéo sera donc la correction, attendez bien.